Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo sur un article. J'ai répondu aux commentaires qui m'étaient envoyés et qui m'aiguillaient sur cet article qui vient d'un journal connu et publié par Gribouillette. C'est Gribouillette, elle s'appelle comme ça, Claire Fleury. Alors si elle est journaliste, moi je veux bien devenir journaliste, sans formation. Ça sert à rien d'avoir une formation de journaliste. Parce que si vous regardez ce qu'il y a écrit, alors ça parle de voitures électriques, ça parle de beaucoup de choses. En fin de compte, tout est mélangé. Alors voilà, si on allait voir la mère, qui n'a pas rêvé un jour de tout plaquer, etc., etc., etc. Ah, voir la mère en Nissan Leaf E+. Sorti cet été. Ouais, sorti cet été. Le véhicule 100% électrique le plus vendu en Europe. Bah voyons. Ouh là 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 là. Ouh là, les informations. Et c'est journaliste, hein. Je crois, hein. Je suis pas sûr à 100%. Mais je crois que c'est une journaliste, hein. Ah oui. Il me semble, hein. Donc, la plus vendue en Europe, on se dit bien que c'est pas celle-là. Loin de là. Puisqu'elle rétrograde dans le classement de plus en plus. Il y a des gros problèmes avec, justement, Nissan. D'après Météo France, non, c'est pas la plus vendue en Europe d'après Météo France. Non, 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 il y a un point. D'après Météo France, dans un rayon de 200 km. Non, c'est pas la plus vendue en Europe d'après Météo France, dans un rayon de 200 km. Non, il faut reprendre les phrases, hein. Heureusement, il y a la ponctuation, mais quand je lis comme ça me... je suis perturbé. Oui? Ça fait drôle. Seule la Normandie échapperait au mauvais temps. Ah donc, non, 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 c'est la météo, hein. Alors, la conscience professionnelle légère, donc c'est bien une journaliste, elle est légère, elle a une conscience professionnelle quand même. Je choisis de partir pour Deauville. Ah oui, c'est un bord de mer. La voiture est garée porte d'Auteuil, donc sur Paris normalement, hein. C'est pas précisé, mais bon, c'est sur Paris. Noyée sous la pluie. Oh. Direction l'ouest. Ah, ça va changer. Une fois la recharge de la batterie plus puissante que celle du modèle précédent. Ah bon? Achevée. Ah, la recharge achevée. J'ai en poche une carte d'accès aux bornes de rechargement. Oh là, rechargement. On fait un rechargement de charbon. Aux bornes de rechargement rapide. DBT, QC, CEV, WXYZ. Sécu, précisément. Disponible sur les parkings de grande surface. Ah, elle pourra faire des courses. C'est madame, hein, elle va faire en même temps les boutiques, c'est normal, hein. Cette journée de travail s'annonce décidément sympa. Ah oui, elle part sous la pluie. Elle va arriver sous la pluie. Tout va bien, en faisant les commerces. Ah oui, dans une belle électrique. Elle ne connaît rien du tout. Comme toujours, pendant un essai, je teste les différents modes et aide à la conduite. Alors oui, bon, chapeau, hein. Quand ce n'est pas dangereux. Quand ce n'est pas dangereux. Ça veut dire quoi, ça? C'est quand que c'est pas dangereux? C'est quand elle roule? Ah oui, quand elle roule, c'est dangereux. Quand elle roule pas, c'est pas dangereux. Si je comprends bien, c'est ça. Ah ouais, attention, hein, oh là là. J'ai rien contre... Oh, les femmes conduisent très bien. Hein, oh là là. Si vous vous référez à la vidéo que j'ai faite avec Gavzel, à l'époque, j'ai dit, attention, femme au volant, mort au tournant. Oui, bon, non. C'est connu, ça, hein, faut prendre ça au second degré, comme on dit, homme au volant, danger permanent. Ou alors, je recadre les choses, c'est comme ça. Donc, non, non. Je pousse. Alors, elle pousse. Pourquoi elle pousse? Elle est en panne. Elle est en panne d'électricité. Je pousse la voiture et la fais un peu zigzaguer. Femme au volant, mort au tournant. Alors là, elle, oui. Là, on peut dire. Voilà, elle a fait un peu zigzaguer. On se pose des questions. Si c'est une journaliste, c'est quoi ce reportage-là? Ils avaient un encart blanc dans le magazine, dans la revue, il n'y avait pas grand-chose à y mettre. Clac, ils ont claqué ça, ils ont dit, bon, tiens, c'est pour fleurir un peu, comme c'est Madame Fleury, c'est pour fleurir un peu le magazine, on va mettre un peu de tout et de rien. Le silence du moteur électrique, l'absence de vibration et la puissance de l'accélération
rend l'exercice plutôt agréable. Ah, bon, oui, zigzaguer, on imagine bien. La Leaf se révèle très confortable, on comprend pourquoi les chauffeurs de taxi la plébiscitent. Bah, pas du tout. Ah non, c'est des gros problèmes pour la recharger, cette voiture-là, à cause des branches à démo, qui n'y a pas assez. C'est pas celle-là qui plébiscite. C'est qu'elle a vu ça, elle. J'ai jamais vu un chauffeur de taxi en Leaf. Ah, pas du tout. J'ai vu en Yon, Hyundai, en Tesla. Ah ouais, ouais. Mais non. J'ai même vu un... Vous savez, les petites croix bleues médicales, comment on appelle ça, les véhicules sanitaires, là, pour aller chercher des patients, les emmener à l'hôpital ou faire des soins, et les ramener chez eux. Un VSL, voilà. Désolé, en VSL. Ah oui, 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 ça fait drôle. Vous avez l'espèce de ça fait comme une marguerite, là, dessinée sous le capot. Et bah, c'est un VSL qui emmène les patients là où ils ont besoin d'aller, en véhicule électrique et en Zoé. Bah oui, ça m'a scié ça, quand j'ai vu ça, c'est marrant. Alors, il pleut toujours autant. Bah c'est normal, elle va pas dans le bon sens, cette andouille. Elle aurait été vers le sud. Oh bah si elle était vers le nord, alors non. Mais vers le sud, oui, c'est là qu'il faut aller. Bon, enfin bon, elle a décidé d'aller chercher dans les magasins, les commerces là-bas, quelque chose d'intéressant sûrement. Sur l'autoroute A13, ça roule plutôt bien. L'autoroute A13, elle a pris l'autoroute avec une Nissan Leaf. Ah bah là, elle va pas battre des records de température. Hein. De température. des records d'autonomie. Ah, elle me fait chauffer, alors dis donc. Hein. En sens inverse, en revanche, les voies sont vides. Bah, oui, elle roule en zigzag. Zigzag, elle fait peur à tout le monde, surtout à ceux qui viennent en face, même sur autoroute. Un accident, c'est... Non, c'est pas elle. C'est pas elle, non, non. Des travaux. Non plus. Elle n'est pas en travaux. Non, des tracteurs d'agriculteurs en colère. Ah, qui bloquent la voie. Ils protestent contre le green bashing. Elle a trouvé un mot anglais. Ah, ça lui plaît, ça. Ça, c'est bien. Personne n'y comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais elle a le traducteur universel. Elle l'a. Et l'encadrement de l'utilisation du glyphosate. Oh là là là. Elle a été discutée avec les agriculteurs. Oh, ça se voit. Espérons qu'ils n'ont rien contre les voitures électriques. Bah, bien sûr que non. Pourquoi ils auraient quelque chose contre la voiture électrique? Les agriculteurs sont bien renseignés sur le coût du carburant. Hein. Quand ils roulent en tracteur, ça leur coûte très cher. Et il ne faut pas en croire, mais il y a des tracteurs maintenant équipés en électrique qui commencent à venir. Ah oui, oui, oui. Eh oui, oui. C'est une vérité. En tout cas, mieux vaut raccourcir mon trajet. Bah oui, c'est pas plus mal. J'oublie. Alors du coup, elle va aller où là, du coup? J'oublie Deauville. Ah ben voilà, elle change d'avis. Ah ouais. À force de faire des zigzags, GPS, il ne sait plus où c'est qu'il en est. Alors, moi non plus. J'oublie Deauville et décide de filer à Rouen, au musée des Beaux-Arts. Ben, ça ne peut rien avoir. Au moins, dans la ville meurtrie par l'explosion de l'usine Lubrizol, je n'ajouterai pas de pollution à la pollution ambiante. Oh là là. Que c'est poétique. Ah là... Là, elle écrit avec une plume tout en finesse. Hein. Ah oui. Il faut également s'occuper de la batterie. Ah, quand même. Hein. Eh, normalement, il y a un indicateur. Je pense qu'elle a dû voir peut-être au départ et qu'en cours de route, elle s'est rendue compte qu'il y avait un pourcentage et que ça descend au fur et à mesure, surtout sur autoroute. À 35%. Ah, il est temps. Hein. Une application sur mon smartphone m'indique justement une borne rapide sur le parking d'un Ikea situé avant Rouen. Donc elle est plus sur l'autoroute, là. Je quitte alors la 13 pour rejoindre la départementale. Voilà, c'est bien, c'est précisé. 75. La départementale 75. Non, pas 75. 75, 75, hein, voilà. 60, oh, tiens, c'est vrai que c'est pénible. Oh là là. Il pleut comme vache qui pisse. Tiens, l'autre chose. C'est en Normandie. L'expression n'est pas très distinguée. Ah bah ça, c'est sûr, ça change de là-haut. Hein. Mais aujourd'hui, en Normandie, elle vraiment adaptée. Elle vraiment adaptée. Oula, oh le français, là. Moi, je fais des fautes. Hein. Bah alors là, dis donc, ça devrait pas. Hein. C'est du professionnel, normalement, c'est des personnes qui s'adressent à un public. Il ne devrait pas y avoir une erreur de ponctuation, une faute, un mot qui manque. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas été relu. Ou mal relu. Ça a été balancé à la va-vite. Elle a écrit ça sur le smartphone. Hop, un petit courrier directeur en chef. Un petit SMS. Salut, ça va toi? Je peux t'envoyer mon sujet?
C'est sur quoi? Bah sur la voiture électrique. Ah bah ouais, tiens, vas-y, envoie. Allez, c'est bon. Ça va remplir la case, là, le blanc. D'ailleurs, sur un échangeur, deux voitures sont accidentées. Les dépanneuses s'affairent, la circulation est arrêtée. Je fais vite demi-tour. Vous m'excuserez sur cette vidéo quand même, hein. Je vais être aussi lourd qu'elle, hein, en quelque sorte, mais c'est bien pour montrer que des articles comme ça, c'est une aberration. Il est déjà 2 heures de l'après-midi, mon estomac est plus vide que la batterie. Ah, bah là, faut mettre de l'électricité dans l'estomac. En traversant une zone industrielle où s'alignent des restaurants ad hoc. Ça, c'est ad hoc. Restaurant ad hoc, c'est une nouvelle marque, hein. Vous avez McDo, vous avez tout ça, et maintenant il y a restaurant ad hoc. Voilà, on fait quoi dans ce restaurant-là? J'en sais rien, je sais, je connais pas. Je pense à une phrase du candidat Jacques Chirac. Du candidat Jacques Chirac. Bah, il devrait avoir un peu plus d'humilité quand même vis-à-vis de cet homme-là. Ah, quand même, là ça, c'est pas très sérieux. Quand on peut manger, on mange. Voilà, vite trouver une phrase toute faite. Elle a vu ça où elle? Et ça, c'est digne à mettre sur des réseaux sociaux, mais pas sur un journal. J'ai choisi le moins sinistre et j'y m'y repais d'un plat du jour garni de frites surgelées. Donc les frites sont surgelées. Elle se remplit l'estomac avec des frites surgelées. C'est très bien. Elle a raison. Le temps que ça fonde, que ça se réchauffe dans l'estomac, et pour le lendemain, c'est bon. Elle aura déjà encore à manger, hein. Maintenant, c'est au tour de la voiture, sur le parking des Kia, rejoint en un quart d'heure. Là, j'y comprends rien du tout. On sait pas ça. Là, on sait pas. Je la branche sur une prise rapide. Laquelle? Elle sait pas. Elle a trouvé une forme de prise qui correspondait. Elle a essayé toutes les prises. Ah, ça rentre pas. Même en travers. Ah bah, là, ça rentre pas non plus. Bah, elle a trouvé la bonne et puis elle a branché. Mais elle dit pas ce que c'est parce qu'elle sait pas ce que c'est. Mais la recharger prend tout de même 40 minutes. Ah bah oui, là, c'est sûr que. Ben, la pauvre, elle pourra pas faire ce qu'elle a envie de faire. Et pourtant, elle pourrait, si c'est un Ikea. Elle peut flâner dans les rayons. Ben non. Trop tard pour aller à Rouen. Ah bah, ben, décidément, elle va nulle part, elle. Elle part dans tous les sens, direction la Normandie. Elle s'arrête nulle part. Elle s'arrête à un Ikea sur une borne rechargée sous la flotte. Voilà, c'est ça son sujet. Tant pis pour les tableaux de Géricault. Elle a tout raté, elle. Je sais tout, en revanche, les armoires Stahl. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Encore un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. Des armoires, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les armoires? Mais où, ces armoires-là? Ikea? Ah, une fois les tracteurs disparus. Les tracteurs l'ont suivi jusque chez Ikea. Ah oui. Là, ils ont dit, oh, il y a une belle. Il y a une journaliste qui est là, elle est repérée de loin, elle roule en zigzag, on va la suivre sous l'autoroute en tracteur, on va rouler pas trop vite, on va la rattraper de toute façon. Ils l'ont rattrapée à IKEA, et puis ils ont dit, bah voilà, on va se mettre quand même à l'écart pour la laisser partir, hein, que la pauvre puisse repartir avec sa voiture rechargée. On ne sait pas si elle est rechargée sa voiture, hein, on n'en sait rien. Il reste encore 17% de charge. Oula! Ah, on ne sait pas si elle est partie rechargée, mais en tous les cas, elle est partie déchargée. Ça, c'est sûr. Je veux dire par là, la voiture est déchargée. Elle, non, hein. Non, non, elle est toujours pleine, elle. Et il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Ah, oh, il ne pleut plus. Donc il pleut plus. J'ai presque envie de repartir. Presque. Bah, nous, on veut bien. Enfin, moi ça m'amuse. Hein, c'est amusant. C'est rigolo. Voilà. Apparemment, c'est cette voiture-là. Oui, ça a l'air d'être celle-là. Donc elle a bien trouvé un Ikea. Avec une borne adaptée, bah, tant mieux pour elle, sinon elle était mal. Sur autoroute, elle aurait pu faire une recharge aussi. Hein. Alors, rien y comprendre cet article-là. On dirait un article fantôme. Ça fait drôle. Voilà, je vous mets la vidéo comme ça. Hein. Vous en ferez ce que vous en voudrez. C'est toujours un partage sur la voiture électrique, parce qu'elle parle bien de voiture électrique, avec les aléas du temps, puisqu'elle a rechargé. Elle a recherché la pluie du début à la fin. Elle s'est fixé les objectifs qu'elle a zappés complètement. Elle a parlé d'un ancien président de la République, enfin un président de la République qui est plus là, d'une manière un peu légère. Je trouve tout ça pour du professionnel. Eh ben, désolé, ça fait amateur, tout simplement. Merci et à bientôt.